Sorcière. Le yoga, c'est ma créativité à 10 000%. Ma vie privée avec mes 3 enfants. Quand je me suis responsabilisée et que j'ai quitté mon ex-mari pour mon mari actuel. Oh, ma base, ma fleur de lotus qui s'expand pour aller à l'infini des possibles. Ce serait la pêche. T'inquiète pas, on a tout ce qu'il faut maintenant et maintenant, il n'y a plus qu'à y aller. Je suis là pour toi. Je suis fière de toi. Regarde tout ce que tu as osé faire en saut quantique et tu as toujours eu la foi. Je me dis... Waouh ! Ouf ! Il y a beaucoup de potentiel, mais il y a beaucoup de travail. Lâcher 20 ans de carrière en tant que thérapeute. Donc, mon salaire. Mon gagne-pain. Oh, regarder une vidéo d'humoriste. Et des nanas qui font des sketchs sur le féminisme. Je kiffe. Tous les matins, je me lève en disant... Merci la vie, j'accueille tout ce que tu veux me faire vivre aujourd'hui. C'est une femme du coup qui s'est reconnectée un peu à toutes ses facettes, donc qui est alignée et qui joue de qui elle est. Qui met beaucoup de légèreté sans se prendre trop au sérieux. C'est une femme qui, bizarrement je ne sais pas pourquoi, mais elle a une quarantaine ou cinquantaine d'années et elle a... alchimiser toutes ces expériences de vie pour en faire quelque chose de beau et de puissant. C'est une femme qui a les pieds sur terre, le cœur ouvert, la tête dans les étoiles pour écouter l'univers. Mon rêve pour les femmes du monde, c'est que toutes les femmes du monde puissent s'éveiller à leur féminité et pouvoir planter elles-mêmes des graines sur les générations futures. J'enlève tous les gros industriels de l'agroalimentaire qui nous vendent de la merde. Voilà, ça c'est mon premier métier, forcément ça revient en force. Et au lieu de rembourser les médicaments, je rembourse les séances d'alignement sur soi et de connaissance de soi. C'est bien que je sois toute seule. Yeah!